L'avocat dans un burger, moi je suis fan. Oula, il y a un arrière-goût de piquant quand même. Oula, j'ai toujours fait mal. Ça pique de ouf. Ou alors je fais une réaction allergique. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, un petit vlog. En vrai, ça se trouve, ça fait pas longtemps, c'est juste que moi, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Mais là, j'ai faim, et ça tombe bien parce qu'on va les grailler. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une série de vidéos que j'apprécie particulièrement. Trouvons un resto au Japon qui n'est pas japonais. En vrai, c'est la série sur les meilleurs burgers de Tokyo. Je le dis, je l'annonce. Bon, je dis Tokyo, je devrais dire le Japon, mais en ce moment, on est un peu... Comment vous dire, il y a un truc qui s'appelle le... Je vais pas le prononcer, sinon il va y avoir des monétisations. Mais on peut pas sortir de cette zone. Mais c'est pas grave, parce qu'à Tokyo, il y a tellement de restaurants que je pourrais écrire un livre de recettes sur 50 ans. Il n'y a aucun rapport. De tout ce que j'ai dit, ça s'enchaînait n'importe comment, on est d'accord. Abonne-toi si toi aussi t'aimes le non-sens. Aujourd'hui, nous allons tester un restaurant de burgers au Japon. Et nous allons voir si nous pouvons le classer dans le top 3 des restos de burgers. Je rappelle qu'on a quand même bien noté le Shogun Burger la dernière fois, qui était plutôt délectable. Aujourd'hui, nous allons tester le Motherfucking Fat Burger. Et j'avoue, il n'y a pas Motherfucking dans le titre, mais je trouve que c'est toujours plus stylé de rajouter un petit Motherfucking. C'est parti, on se donne rendez-vous. T'as toussé sur ma caméra. Non, j'ai fait ça. Prendre un grand angle dorénavant. C'est parti, on se donne rendez-vous dans le quartier de Shibuya pour aller tester le Fat Burger et on va voir ce que ça donne. Prépare ton assiette de pâtes parce que ça va être ridiculeusement bon. Super dur à dire, c'est parti, on y va, let's go. J'ai oublié de... j'ai mal. Mais en plus, tu l'as pas. Tu j'ai pas fait ça, mais sans le teco, j'ai raté. On refait, c'est parti, on y va, let's go. Un petit secret, à Shibuya, il y a un bâtiment où les portes s'ouvrent automatiquement. Et ça, c'est incroyable. Plus que ça, à l'intérieur, il y a un Pokémon Center et un Nintendo Center. Et de la musique pour se faire démonétiser. Oui, mais pas grâce au micro-cravate. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Non, on n'y va pas. Oh, ça sent la démonétisation un peu. Vive la démonétisation. Il y a des restes dedans. Allez, bientôt vous amasse. Oh, ah. Toujours protégez-vous avant de sortir, c'est important. Et toujours avant de rentrer au Nintendo Center, toujours du Chanel numéro 5 sur les mains, c'est important. Ça va de pair avec les prix des goodies. C'est Roger, c'est la mascotte de Nintendo. It's me, Roger. Roger le plombier. Normalement, si on passe derrière, on voit sa raie. Comme vous pouvez le voir, voici la raie de Roger. Si jamais vous aimez les trucs verts, bah sachez qu'il y a un rayon de trucs verts au Nintendo, Sega, PlayStation, Sony. Si vous voulez, il y a un rayon de trucs verts. Ah, bien, j'ai trouvé la deuxième mascotte de Sega. Ça, par exemple, vous voyez, c'est une mascotte très connue chez Sega. C'est Raffaello. Il se bat avec un bâton, il a quatre frères et leur maître, c'est un rat. Voilà, Raffaello. C'est un ninja, teenager. Ça, évidemment, vous le connaissez. Je sais pas. Évidemment, quand vous visitez le Japon, il est important de se déguiser comme les autochtones sur place. Bon, il me semble que c'est l'heure de manger. As-tu faim, caméraman? Oui, on y va. Oui, let's go. Quand vous vous baladez au Nintendo Center, il est important de marcher comme les Romains, ou plutôt comme les Nintendoyens. Bien sûr, dans ce bâtiment, il y a plein d'autres mangas, par exemple Sangoku qui fait un Kamehameha. Sangoku, personnage très culturel de la culture pop japonaise. Sangoku, évidemment. Il m'a regardé bizarre le mec. Ah, évidemment, je rigole, on sait tous que c'est Vegeta qui fait un Final Flash. Allez, on y va. Et là, évidemment, Tom Sawyer, un grand classique de l'animation. Évidemment, c'est l'épée du roi Arthur, Excalibur, celui qui arrive à la sortir du rocher. Il gagne un menu Maxi Best of Big Mac offert. Tu sais, ça, c'est des vieux jouets qui coûtent une blinde, ça. Bon, ceux-là, ils sont pas si chers que ça. Vous allez à Nakano Broadway, t'as des figurines cultes comme ça. Par contre, ça peut monter jusqu'à des 7000, 10000 balles. Lemonman. Yeah. YouTube, arimasu ka? YouTube, yattemasu. Le Pandaman. Le Pandaman. Ouais. Hajimemashite. Hajimemashite. Yokatte, boku. Gambarimasu. Allez sur sa chaîne, Sky... Peace. Peace. Sky, S-K-Y, Peace, P-E-A-C-E. Ah, arigatou gozaimasu. Channel toruku, onegaishimasu. Bye. Allez foutre le sbeul sur sa chaîne. Kai SKY Peace PEACE. Le burger se trouve dans la tour qui s'appelle le 109 Men. Il y a le 109 Women, évidemment, c'est des vêtements pour les femmes avec
plein de sucreries en sous-sol. Et dans le 109 Men, 109, il y a évidemment des vêtements pour les mecs, mais aussi un resto de burger en haut, bien fat, qui s'appelle le... Motherfucking Fat Burger. Merci. Imagine, ils ont fermé le restaurant. S'il est plus là, je pleure, hein, je te le dis direct. Je vais prendre celui à maxi étage, maxi épaisseur, maxi plaisir. Bultec. Regardez-moi, en plus, ce bâtiment a été décoré par un artiste très connu en Allemagne, Wander Usrenstreng. Il a refait toute la déco. Regardez, ses peintures, ses fresques. Hauteur Wanderstreng. Redonnez bien son nom, il sera connu dans pas longtemps. Pas du tout, parce qu'il existe. Qu'est-ce que tu veux, mon petit loulou? On va te prendre une petite Vittel, mon gars. Je crois qu'il y a de l'eau gratuite, mec. Prends ce que tu veux, mec. Prends ce que tu veux. Non. Ouais, il m'a dit qu'il y a un loup, il est passé, il a buté tous les poulets. On en a pour à peu près 40 balles, mais j'ai pris 4 burgers et 2 frites. Il y a même pas de coca. Il est un peu cher, c'est vrai. J'ai 3 viandes. Eh, les gars, ils nous donnent de l'eau. Tout bénef. Vidéo pour le Daijobo. Arigatou gozaimasu. Il m'a dit que je pouvais le prendre en vidéo. Il m'a dit que j'étais mannequin dans une ancienne vie, il n'y a pas de problème, frérot. Par contre, faudra mettre un petit cachet. Ou alors 20 000 pouces bleus. Je sais pas si vous avez vu, mais ils vendent aussi un burger 11 000 étages. Il y a vraiment 11 000 étages, et si vous arrivez à le manger, il y a le mur de la fame, ou le mur des gros lards. Voilà, il y a que des Américains dessus. Johnson, Brandon, Michael, Jordans. T'es ma comment elle est toute petite, toute mignonne. Bah oui, il y a son nom. Oh, elle aussi, non. C'est pas possible. Bon bah apparemment je suis une petite victime. J'ai pris qu'un 3 étages, je me sens triste. Ouais mais 4 000 yens aussi, si je le mange pas, c'est la honte. Hein. Ah c'est pas... Oh. Mais quel est ce bruit à mes douces oreilles? Venez manger un burger! Venez manger un burger! Mais je reconnais, c'est le bruit de la faim. Ok. Arigato gozaimasu. Il m'a dit les deux premiers c'est ceux au caca et l'autre c'est à la crotte de nez. Bon, on va commencer. Ça arrivait plutôt vite, hein. En moins de 10 minutes on était servi. On va commencer. Vas-y, demande un couteau. Il veut pas quoi, je croque dans le même burger que lui. On partage tout sauf les microbes. Ah, on partage quand c'est moi qui invite au resto. Hein. Mais quand c'est les microbes, il n'y a plus personne. Hein, je lui ai expliqué qu'en ce moment, il fallait faire attention par rapport à tout ce qui est corona et tout. C'est grave attention. Ah, mais tu l'as pris en fait. Bah ouais. Oh. Allez, gâteau, gozaimasu. Oh, il m'a ramené un vrai coup de lasse, frère. Il m'a ramené le couteau de Raon. Raon, le fils des Jasper Aouche. J'aime bien ta manière. T'as partagé, t'as dit, je t'en passe deux. Je t'en prends deux. Non, mais normal. Il m'a passé deux frites. Non. Il m'a échange équivalent. C'est vrai. Je t'ai pris deux frites. Je t'ai donné deux frites. C'est pas de ma faute si tes frites elles sont obèses, frère. Bon, on commence par le fish burger. Et à l'intérieur, elle a l'air plus sympa qu'un filet au fish. Mais à mon avis, c'est la même chose. C'est du colin. Voyons voir. Un filet au fish. En vrai, il est meilleur qu'un filet au fish, mais ça reste quand même un filet au fish. Pas vous mentir, la sauce est bonne, c'est sûrement la sauce du chef ou de la mayo. Attends, on va voir si les frites c'est bon. Les frites maigrichonnes sont pas mal. Elles sont comment les grosses frites? Sur une échelle de 0 à Belge. En Suisse. En Suisse? Ouais. Bon voilà, c'est pas non plus la frite de Belgique. Prochain burger, on part sur un champignon burger cuit dans la sauce à la viande. Voyons voir ce que ça donne avec des petits morceaux d'oignon cuit là. Bon, je t'avoue, par contre, il coûte 800 yens. Il est un peu cher. Il y a qu'un steak, peut-être les champignons vont faire la diff. Franchement, c'est très bon. C'est pas non plus le meilleur bœuf. En plus, là, j'ai plus le goût des champignons. Il porte bien son nom, le Fat Burger. Il est bien huileux. Franchement, j'aime ça. Prochain burger, on part sur l'avocado chili. Je lui ai demandé de le faire super épicé. Il a dit que ça allait être super épicé. On va voir ce que ça donne. Bon appétit, bien sûr. L'avocat dans un burger, moi je suis fan. Oula, il y a un arrière-goût de piquant quand même. Oula, il y a un arrière-goût de caca qui pique demain. Sur l'échelle du Taj Mahal, on est où? Bucarest. Franchement, ça va, on a fait pire. Bon, en vrai, c'est super bon. Alors, vos impressions?
bon. Hein. Il est grave bon. Tu vas sentir le piquant, il arrive quelques secondes après. Oh là là, mon gars. Ce burger 3 étages, et encore, je suis gentil. Hein. Parce que je crois que leur maxi, c'est 7 ou 8 étages. Je vois même pas comment on peut le mettre dans la bouche. Mais celui-là, normalement, je le finis. On va le finir. 10 steaks le challenge. Bon, déjà, on va faire celui-là. Peut-être on reviendra. Eh, hey, 20 000 pouces bleus, on revient, on fait le 10 steaks. Ça va être galère. Mettez pas les 20 000 pouces bleus. Mettez pas. La viande est bonne. 3 steaks, c'est la limite pour le mettre dans la bouche. Tu vois, un peu sec. Quand il y a trop de steaks, il est un peu sec, ouais. Je préfère un steak ou 2 steaks. En vrai, je vous déconseille les 3 steaks, trop sec. J'imagine même pas 10 steaks. Peut-être, t'as l'impression que tu manges du carton. Oh, faut faire des suppléments fromage. Non, mais combien de calories les 10 steaks? Déjà, les 3 steaks, combien de calories là? Tu te fais ou on préfère rien? Mais j'allais dire le chili, mais j'hésite vraiment entre le chili et les champignons. Le chili, il est bon. Les champignons retapent un peu. De toute façon, l'avocat dans un burger, ça m'a jamais déçu. Toi, t'aimes pas l'œuf dans un burger, c'est ça? Non, si, j'aime tout dans un burger. Ah, l'œuf, t'aimes pas? Non, mais pas le bœuf, t'as dit le bœuf. Non, l'œuf. Non, l'œuf, j'aime pas. Pour le niveau de la dégueulasserie, tu le places où celui-là? Moi, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Oui, ça froid, dégueulasse. Dans toutes les vidéos, tous les restaurants, même le truc le plus épicé, ramen, je préfère ça que le burger. Putain, j'arrive pas à avaler. Wow. Alors, Amen, en vrai, ça va. Ça, non mais ça pique d'où? Ah, ça pique d'où? Ça pique après en fait. Ça pique d'où? Alors. Je vais faire un volume 2. Vas-y, mais il faut des pouces bleus là, mec. Hein. Tu te souviens comment j'ai fini? Hein. 30 000 pouces bleus, on refait le ramen super épicé. T'es un peu diminué. Frère, on a mangé le même, j'ai mangé le plus grand morceau. Écoute-moi, je lui dis de mettre beaucoup, il a fait exprès de mettre du côté où j'ai coupé, attends, de mettre attends. Plus. Ah, on a plus rien à dire. Hein. Ah, on a plus rien à dire. Sache qu'il en a eu beaucoup plus pour moi. Qu'avec du bouchino hamster. Vas-y, mange. C'est sale tabouche. Oh, ça pique de fou. En fait, c'est moi, je fais le temps que je dis baisant beaucoup. Moi je pensais, qu'ils aient... Non, il en a mis plus de mon côté. Pour ça il m'a fait un clin d'œil, moi je croyais qu'il me trouvait beau gosse en vrai. T'as pas vu comment elle a rigolé quand je marquais le plus lourd? J'ai toujours vu mal. Ça pique de ouf. Ou alors je fais une réaction à l'âge. Plus jamais je dis mais épicé. Moi il a vu, j'étais un bonhomme, il m'a mis les épices. Non, pourquoi tu dis ton burger? J'ai mangé ton burger. On sait, ils savent, tout le monde sait. Nous sachons. Hey, j'espère qu'ils vont mettre les 25 000 pouces bleus, comme ça on fait la revanche. Parce que toi tu fais trop de mal. J'ai dit 30 000, je crois que je vais au ramen s'il n'y a pas 30 000 t'as pouces bleus. T'as pas dit 25 J'ai dit 30 000. Et encore, je suis gentil, j'ai pas dit 50 000. Sissi, West Coast, la famille, Candy Shop. Christophe enfermé, envoie une demande à cash. J'ai cru que t'allais dire Christophe Maé, je sais pas encore. Parce que lui, il t'aime bien. Il m'a dit la dernière fois, il adore les vidéos du Pandaman. Bah ça tombe bien, je le kiffe. Allez, envoyer le lien de la dernière vidéo de Pandaman. Dans les Christophe DM de Christophe, ouais. Petit débrief, c'était bon, j'ai mal au ventre, j'ai la bique qui pou... j'ai la bouche qui pique. Ça rien à voir. Comment t'es passé je sais de pas. J'ai la bouche qui pique moi aussi, des fois, il n'y a pas de synchronisation entre ma bouche et mon cerveau. C'est pas de ma faute. Franchement, c'est sympa, un petit burger, mais c'est pas la folie non plus. Il y a d'autres burgers beaucoup mieux et on les verra dans d'autres épisodes, peut-être. Et pour le restaurant de ramen super épicé, 30 000 pouces bleus. Sinon, c'est mort. No way. À part si t'as dit 25 000 tout à l'heure. Non, j'ai dit 30 000. J'ai dit 30 000. Ils sont tous témoins, j'ai dit 35 000. 35 000 pouces bleus. Si on faisait moins de 50 000, on allait le faire et puis quoi encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, si ça te plaît, parce que je vais pas te. Vous voyez, si jamais les vidéos te plaisent et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et moi, je te retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Passe un bon week-end, un bon lundi ou un bon mercredi de Pentecôte. Pourquoi même pas un bon Pâques. Il n'y a jamais assez de jours pour fêter Pâques. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Pandaman. À vous les studios. Bonjour et bienvenue sur les studios de BFM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du terrorisme et des